Nous fêtons cette année nos 85 ans. 85 ans de soie, 85 ans d'excellence. La soie, pour nous, c'est la séduction, l'exigence, la nôtre, celle de nos clients. Ici, au Tissage Perrin, nous intégrons l'ensemble, finalement, de la chaîne de réalisation, de la sélection des fils jusqu'à la livraison du produit fini auprès de nos clients. L'arrivée du fil extensible nous a permis de développer nos activités au sein des marchés de lingerie et d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à nos clients en développant les jacquards extensibles et bi-extensibles, les effets néo-skin, seconde peau, tout en restant léger et particulièrement adapté au confort de la cliente finale. La soie, donc, c'est une fibre naturelle. Le fil de soie en lui-même peut aller d'un fil très très fin, extrêmement fin, jusqu'à un fil un peu plus épais. Quand on parle de soie, la plupart du public pense aux effets satin. C'est une idée préconçue et mal préconçue. La soie, ce n'est pas que le satin. On trouvera des mousselines, on trouvera des crêpes, on trouvera une toile, on trouvera un twill qui font la majorité des carrés en soie que vous trouverez chez les grandes enseignes, aussi bien que même sur des enseignes un peu moins importantes. Les Tissages Perrin ont démarré leur activité surtout principalement sur la France. On a pu se développer sur des pays à l'export, principalement en Europe, et ensuite hors d'Europe, grâce particulièrement à l'aide d'interfilières. C'est un salon important parce qu'on rencontre tous nos clients français et étrangers. C'est important aussi de rencontrer à nouveau nos importateurs comme notre importateur russe qu'on a depuis une bonne vingtaine d'années. C'est au salon de Paris où on a fait notre première approche. L'importance aussi lors du salon, c'est de la présentation de nos collections par l'intermédiaire de mannequins où là, les clientes voient vraiment le produit, le bien-aller. Notre atelier a une grande force de manœuvre car on utilise beaucoup de coloris de soie et des dentelles de Calais en incrustation. Une autre force de Marjolaine, c'est la réactivité. On a une capacité très réactive en ayant notre bureau de style sur place, nos ouvrières et nos matières. En effet, un client nous appelle ce soir, demain, on est capable de lui fabriquer sa combinette, son déshabillé et de pouvoir lui livrer suivant les délais forcément de fabrication, très rapidement. Alors aujourd'hui, Marjolaine se porte très bien. Malgré la crise des années 2000, on a toujours une stabilité. On fait à peu près 60% du marché à l'export et 40% en France. C'est très stable. On a quand même plus de 55 pays à l'étranger. Le plus peut-être aussi de l'équipe Marjolaine, c'est qu'on travaille en famille.